Une autre fois encore, nous saluons tout le monde, nous disons bienvenue dans le développement information. Nous avons démarré avec information concernant le championnat national de 2e division, équipe Rangers de Miraguana qui trouve lui en 3e position dans le groupe Oléga Blanc, lorsque équipe à la relève de Jérémie, les mêmes en première position avec 12 points. Et bien Rangers de Miraguana a préparé lui sérieusement là pour jouer contre la formation de Jérémie. Nous avons parlé de équipe à la relève là, gagné un vice-président. Président équipe aussi là, qui c'est Saint-Félix Jean-Aubert, qui fait connaître toute bagaille en forme pour être capable de jouer contre l'équipe la relève de Jérémie avec surtout support et fanatique yo même qui c'est 12e homme là. À nous suivre la réaction vice-président Rangers de Miraguana qui était pour tes précisions dans le micro Radio Téléguinée. Jusqu'à présent, je veux dire l'équipe là, nous avons joué métier, mais nous sommes en bonne position parce que nous sommes censés en 3e position jusqu'à présent. Dimanche, nous avons joué avec Jérémy et c'est nous qui avons recevoir Jérémy. Moi, j'ai espéré nous avons à 11 points et parce que nous ne sommes pas capables de battre. Vous comprenez, c'est une décision pour nous, ça, c'est métier et pour nous finir avec une place supérieure tout et en métier. Je n'ai pas joué là. Vous dites que nous ne sommes pas capables de battre. Est-ce que le match a déjà joué puisque nous connaissons dimanche qu'il a joué, c'est ça? Non, c'est parce que nous sommes optimistes, tout ça, parce que nous croyons dans l'équipe, nous travaillons, est-ce que vous comprenez, nous entraînons. C'est ça qui fait nous dit que nous ne sommes pas capables de battre. Donc, est-ce que le problème qui t'a gagné, qui cause que nous ne faisons pas partie de l'équipe qui a monté en première division, est-ce que déjà nous avons une solution avec eux? Bon, nous pas dit que nous avons une solution avec eux, sauf que un soulagement parce que c'est un problème terrain football nous avons gagné. Jusqu'à présent, terrain nous en construction, l'hypoco fin et m'deka dit l'hypoco commencer même. Moi était quoi et président qui a commencé mettre la dernière en octobre, dans fin mois d'octobre là et il dédié en mois de mai la inauguré lui et c'est un problème terrain mais nous avons toujours à recevoir et du côté des Pimel, ça a un petit jambe nous problème parce que c'est comme c'est toujours en déplacement. Mais qu'on est là, nous venons jouer dans ville Miraguana et donc sur un terrain et sous pour monter par exemple, on s'habitue à faire zone ça et qu'on est là un petit jambe pli bon pour nous parce que avec le public là qui est toujours là ensemble avec nous parce que nous pas de cage un public là nous qu'on a JPML mais qu'on est là c'est différent parce que nous avons un public ensemble avec nous et qui a supporté l'équipe là c'est ça qui fait moins du tout nous pas qu'à perdre dans zone ça que nous avons joué là. Donc pour le moment équipe là en forme ou très confiant? Oui, jusqu'à présent, très confiant de l'équipe là. Et tous les joueurs sont comprenants, ils prennent confiance. Ils ont un petit gens paniqués tout avec et toujours déplacés pour JPML là, qu'on est là, puisque ils sont dans la caillou. Ils ont un petit gens sentis plus satisfaits. Plus satisfaits, est-ce que le public là est qu'on peut nous secours ou encore qu'on est toujours présent avec nous dans un grand rendez-vous, puisque nous connaissons ces 12e hommes et non seulement comment le public là est à l'égard de l'équipe adverse? Et il faut me dire bien, nous avons un public qui est vraiment solide ensemble avec nous. Et jusqu'à présent, parce que ça fait nous deuxième match, ça fait nous troisième match côté nous recevoir et sous Paxa, sous terrain, ça à côté de Mabdoulala. Le public là répond présent. Et nous avons un public tout qui a un tempérament énorme parce qu'il y a chauffé l'équipe, mais sans pression, sans violence. Donc, c'est un message pour le football là, en général, qui s'accueille d'abord? Bon, c'est un message pour le football là, il tape en pile parce que nous avons dit. Et c'est apporter un changement à football haïtien hein, parce que nous manquons de terrain, nous n'avons pas de terrain de football. Et ça, c'est un. Deuxièmement, c'est apporter un message à la fédération haïtienne parce que qui manquait, comme je disais, à pâter la football. Hein. Et parce que nous, si j'en ai senti, nous avons joué le championnat de la 2e division, pas eu aucun recours pour la fédération haïtienne. Et ces dirigeants, ils sont comprenants qui ont fait tout effort, ça vient de rendre peut-être nous arriver dans la route, nous craquer, nous ne pouvons pas continuer.